8h27, dans la matinale Info Télé, tout de suite, l'invité politique de la matinale est Ramayad, ce matin, avec vous Myriam Okawa. Bonjour Ramayad. Bonjour. Et eh bien, sur ce plateau, candidate, la France qui ose à la présidentielle. Les Français vous connaissent, ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme euh, sous Nicolas Sarkozy. Ils connaissent moins votre mouvement politique. C'est quoi la France qui ose et qui justifie à vos yeux une candidature c'est un, un mouvement nouveau, une coopérative politique qui réunit euh, plusieurs mouvements citoyens et partis de droite et de gauche, euh, qui a deux originalités. La première, c'est l'indépendance par rapport aux deux camps politiques. Euh, et la deuxième originalité. Originalité, ni droite ni gauche, vous n'êtes pas la seule sur ce crème. Ah, Je dis pas ça, je ne suis pas dans un nini. Euh, mon approche est plus positive, puisque nous réunissons de manière transpartie euh, des hommes et des femmes, des mouvements de tous bords, ce qui nous a permis d'avoir une représentation dans les territoires euh, d'à peu près 40-50 000 personnes. Et nous grandissons tous les jours. L'idée, c'est de, de proposer un nouveau choix aux Français euh, avec un double objectif. Je veux être la candidate anti-Le Pen pour l'empêcher de gagner cette élection présidentielle qui ne sera pas comme les autres. Et On je vais revenir dis sur dès le ma déclaration de candidature en avril 2016. Et puis la deuxième, le deuxième objectif, c'est de faire monter dans les assemblées territoriales et nationales mmh. euh, de nouveaux talents. Qui nous sortent du carriérisme mortifère de ceux qui considèrent l'engagement comme un gagne-pain. Mais encore Et... une fois, sur le renouveau, le renouvellement générationnel, sur une nouvelle manière de faire de la politique, je pense à votre ancienne famille, le centre, ou même la famille radicale, il n'y avait aucun candidat qui puisse justifier, au fond, ben non, que il y avait vous pas de puissiez candidat. porter vos non. idées par l'intermédiaire d'un de... ben candidat qui avez... aurait une base électorale plus importante vous que la avez... Vous avez pu observer que euh, le centre n'a pas. Présenté de candidats, le centre officiel, disons, n'a pas présenté de candidats. Et c'est bien euh, le, la tragédie de ce triangle des Bermudes qui est devenu le centrisme, sorte d'astre mort dont les dirigeants ne sont pas à la hauteur de, ni de l'histoire, parce que c'est quand même euh, la famille politique de Simone Veil, de Jean Le Canuet, euh, on peut remonter très, très loin, Clémenceau, Gambetta, du côté des radicaux. Mmh, Et de okay. l'autre côté, ce n'est euh, pas à la hauteur non plus de ces militants qui attendaient un centre indépendant. Euh, des républicains et un centre qui soit inscrit dans l'innovation démocratique. Je oh, pense évidemment à Emmanuel Macron, à ah, ma Emmanuel je, je, Macron, je, vous je, avez. Je n'ai pas, pas pensé qu'il était. Avez un France. intérêt pour sa candidature Vous avez des points communs Il y a des passerelles possibles Écoutez, euh, on peut avoir une posture, un positionnement, mais euh, il y a une chose qui est claire il partage clairement le bilan de François Hollande, dont il a été le conseiller pendant mmh. la campagne présidentielle, dont il a été le secrétaire général en charge de la politique économique et dont il a été le ministre de l'économie à Bercy. On ne fait pas d'ailleurs la révolution. Mais vous avez des depuis, propositions depuis en commun. Quand on lit vos programmes, il veut supprimer, comme vous, le RSI, le régime des indépendants. Et comme vous, par exemple, il veut le remboursement à 100% des, des soins dentaires, des lunettes. Ça ne suffit pas. J'ai un programme depuis avril 2016 qui est consultable sur le site www.lafrancequios.fr. Il n'en a pas. Et j'ajouterai autre chose. Je n'ai pas vocation à jouer euh, les pom-pom girls de ces messieurs. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis déclarée un 21 avril, pas seulement en référence au séisme de 2002, mais aussi en référence à 1944. Euh, le 21 avril 1944, les femmes ont eu le droit non seulement de voter, mais également d'être élues. Donc permettez-moi de défendre mon programme. Euh, Permettez-moi de, On va y revenir. Je de vous parlais parler de mon sur, projet de réconciliation nationale. Mais je voudrais d'abord, pour en terminer avec Emmanuel Macron, euh, revenir sur cette euh, polémique sur la colonisation. Hein, C'est le propos euh, comparé à, à un crime contre l'humanité. À Toulon, euh, sans s'excuser formellement, il demande en quelque sorte pardon. Écoutez, vous réagissez. Alors je suis désolé de vous avoir blessé, pour certains de vous avoir offensé, de vous avoir fait mal. Parce que je ne voulais pas vous offenser aujourd'hui, chacune et chacun dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président. Je vous ai compris et je vous aime. Ramayad, oui. je vous ai compris, je vous aime. D'abord sur le fond, Est -ce que, vous je êtes pense, en désaccord avec lui Est-ce qu'il a choqué les mémoires je, je pense qu'au-delà de là, euh, la transparence financière demandée au candidat à la présidentielle, euh, Au-delà des 500 parrainages requis pour être euh, candidat, euh, notre pays devrait ajouter un, un autre critère l'équilibre psychologique. Je pense que c'est important, exactement comme pour les pilotes d'avion. Euh, vous savez, on vérifie, est, on évalue euh, psychologiquement leur état pour voir s'ils sont euh, en capacité d'être président. Je pense, vous êtes très sérieuse, honnêtement, Marine Le Pen. Que, euh, Pardon. Euh, <laughs> <je> vous <veux> pas... <laughs> m'avez appelé Marine, Marine Le Pen Non, non. Excusez-moi. Euh, non, mais je pense conseille... que. — Votre ressemblance non, est tellement pas évidente. — pas du mais, tout. Pardonnez-moi. Mais, mais est-ce que je, vous êtes sérieux Vous êtes en train je, de me dire, Ramayad, que je, je pense qu Emmanuel est très... Macron je pense... est fou. — Non, mais je, je suis désolé. Mais euh, non seulement... On savait qu'il n'avait pas de programme. Mais on ne peut pas dire le matin « La colonisation est un crime contre l'humanité » et s'en excuser le soir. On ne peut pas dire le matin... La manif pour tous a été humiliée et le soir expliqué qu'on est pour la PMA et la GPA. Mmh. On ne peut pas le matin dire qu'il faut légaliser le cannabis et le soir dire tolérance zéro. Il y a un problème, Remy Le problème c'est que ce candidat n'est pas prêt. Ce candidat, les Français ne le connaissaient pas il y a encore un an et on ne peut pas surgir ainsi sans programme, en, 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 en passant du cocaïne matin, midi, soir. Est la France c'est quelque chose de trop sérieux pour qu'à sa tête, on est des amateurs. Mmh. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, je préfère parler de mon programme, parce que moi j'en ai Alors, un. Juste euh, un mot. Et ce programme, c'est un programme de réconciliation nationale, bien loin de la violence qu'on a vue à l'occasion de ce meeting. Moi, je suis pour un programme juste pour, un, pour une France qui réconcilie, pour une France du rassemblement, cette question de la colonisation. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus depuis très longtemps, depuis des années. Il y a, je n'ai jamais varié là-dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux de l'apaisement autour de cette question. C'est-à-dire, je veux réunir les Français. Et je ne veux pas les diviser de la manière dont M. Macron le fait. Oui, pardonnez-moi, je, je suis absolument confuse de vous avoir appelée Marine Le Pen parce que c'était ma euh, prochaine question. Euh, elle se présente, elle, euh, comme le pôle de stabilité de cette élection. Elle est forte d'un socle électoral euh, autour de, de 25% et puis son électorat est sûr d'aller voter pour elle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin qu'elle peut remporter cette élection Je -ce comprends votre lapsus et, et, et au fond, euh, parce que nous sommes exactement. Euh, en bagarre euh, sur cette France des oubliés, qu'elle dit incarner et, euh, et que je prétends défendre. Vous revenez d'un tour de France de campagne et des Nous ruralités. serons sans doute deux femmes dans cette élection présidentielle. Et au fond, je, la question qui sera posée aux Français, ce sera le choix entre ces deux femmes-là. C'est-à-dire que euh, malheureusement, toutes les autres ont disparu dans les primaires, ont retiré leur candidature. Euh, et aujourd'hui... On est à un moment de basculement important historique. La France doit choisir de savoir si, comme d'autres pays, elle va basculer vers l'extrême droite. Et je pense que l'extrême droite défigurerait la France et, euh, et nous humilierait sur la scène internationale. Et, vous savez, les Français me connaissent. Ça fait dix ans que je suis engagé publiquement. Euh, je veux incarner une autre manière de faire la politique. Je ne vis pas de la politique. Je n'aime pas l'extrême droite parce que je trouve que ce Front national-là, ce n'est pas le renouvellement. C'est une monarchie héréditaire, d'une part. Et d'autre part, ce qui frappe, c'est que le Front national, c'est... C'est quand on croit punir les autres partis en votant pour le Front National, on vote au fond pour ce qu'il y a de plus caricatural dans la dérive des partis, puisque toutes ces affaires d'enquête judiciaire autour du Front National montrent bien qu'il n'incarne absolument pas le renouvellement de la vie politique. D'un mot, Marine Le Pen va au Liban à la recherche d'une stature internationale. C'est la première fois qu'elle va rencontrer un chef d'État, Michel Aoun. Le président libanais a eu raison d'accepter de la recevoir c'est un État souverain qui fait exactement ce qu'il veut. Alors, votre programme, vous avez effectué un tour de France et vous insistez beaucoup sur euh, la ruralité. Alors, qu'est-ce que vous avez vu et surtout, qu'est-ce que vous proposez pour protéger cette euh, filière Alors, en souffrance ce qui, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est évidemment, euh, moi, je ne veux pas être une candidate de plus qui s'ajoute aux autres pour dire la même chose. Ce ne serait pas intéressant, ni pour moi, ni pour vous. Je veux être une candidate utile. Utile, c'est-à-dire qui défende euh, les Français qui sont les oubliés de la démocratie, ceux qui sont écartés des décisions, ceux qui ont ceux qui ont été obligés de reconstituer une sorte de tiers état face à une aristocratie politique et pas seulement économique avec ses féodalités financières. Ce sont les grands oubliés de la République. Euh, C'est même la France du sous-sol. Cette France-là, vous y trouverez effectivement euh, les, la, la jeunesse, 30% de chômage depuis 20 ans, les femmes qui courent encore derrière l'égalité des salaires, qui subissent les violences conjugales, qui dans certains milieux ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, les petits entrepreneurs, agriculteurs, artisans, créateurs d'entreprises. Et, et, et effectivement, malmenés, de ce matin, ces territoires malmenés, des malmenés, la France des campagnes. C'est 80 000 kilomètres pour moi de, de, de traverser dans cette France des campagnes euh, pour aller au, au devant de ces villages qu'on abandonne parce qu'effectivement on veut aujourd'hui assassiner les communes sur rurales le et sur le fond je pense d'abord qu'il faut qu'on qu respecte la géographie, la géographie française euh, et qu'on arrête ce, cet assassinat des mairies parce que les Français vont bientôt se réveiller vont voir que les mairies ont, ont disparu parce qu'on métropolise on recentralise la géographie française et ça c'est scandaleux donc je veux un ministère de la Ruralité pour que les problématiques liées au, au, au mot connecter. C'est le mot connecter qui doit être la réponse pour les ruralités. Et au moment où, dans une semaine, s'ouvre le salon de l'agriculture, c'est important. Connecter par les transports, qu'on cesse les TGV, qu'on qu s'occupe des lignes secondaires. Connecter par le haut débit, parce que 70% des start-up veulent s'installer dans les communes rurales. Donc il y a un avenir. Ce n'est pas un, un, mot, un gros mot, la ruralité, ni un mot qu'il faut mépriser. Et puis enfin, connecter, c'est créer du lien entre les hommes et les femmes et sortir de l'isolement. Et cette de France des campagnes. Je vais vous dire, c'est la France réelle aussi. C'est une France qu'on euh, qu veut opposer au quartier populaire dont on parle beaucoup en ce moment. Mais moi, je ne peux pas les opposer parce qu'encore une fois, je porte un projet de réconciliation. Une réaction nationale. pour terminer à la mort euh, brutale hein, de Xavier Belin, figure du syndicalisme agricole C'est une triste nouvelle parce que brutale, euh, c'était un homme jeune pour, euh, pour lui, pour, pour sa famille, pour euh, le syndicat qu'il représentait, mais aussi pour, pour le pays parce que c'était un homme de dialogue. Mais je, je dois dire qu'au-delà de sa personne, euh, euh, la vision agricole ou agro-industrielle euh, qu'il portait euh, ne recevait pas mon assentiment. Moi, je plaide pour une agri-écologie, qu'on redonne à l'agriculture française sa, sa dignité. Je prends une. Exception agricole française. C'est-à-dire que nous sommes en concurrence. Notre agriculture, on l'a mis un à genoux. Euh, je vous propose une mesure là-dessus que je voudrais que vous reteniez. C'est que pour sauver notre agriculture, lui redonner sa dignité, permettre aux agriculteurs français de vivre de leur travail parce que c'est ça qu'ils veulent et non pas de subventions de l'Europe, eh bien, je vous propose une TVA euh, majorée pour les produits agricoles importés, euh, venus de, de pays qui, euh, qui ont un SMIC bien plus faible que nous mm -hmm. et euh, qui, ne, qui ne respectent absolument pas les normes que nos agriculteurs français sont obligés de, de respecter. Merci beaucoup. Ramayad, Combien Merci. De... une seconde. J'ai arrêté la, la comptabilité publique, mais ça avance bien. Merci. Et j'invite les, les élus euh, à, à continuer de me soutenir. Ramayad.